Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Antony au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Antony au Real Madrid. D'après certaines informations, l'arrivée d'Antony au Real Madrid se précise de jour en jour. Le Brésilien, âgé de seulement 22 ans, pourrait bel et bien rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ferait tout pour recruter la star brésilienne de l'Ajax Amsterdam. Des contacts entre le Real Madrid et l'Ajax ont eu lieu pour le potentiel recrutement de Antony vers le Real Madrid lors du prochain mercato estival 2022. Lorsque l'on parle des stars de demain, on évoque souvent des joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Vinicius. Et à juste titre, bien sûr, mais il y en a un qu'on a tendance à oublier, Antony, âgé de 22 ans, de l'Ajax Amsterdam. Et pourtant, l'ailier droit réalise une sacrée saison avec l'Ajax de haut de ses 22 ans, affichant une capacité à éliminer ses adversaires pour le moins déconcertante. Et même s'il y a eu quelques rumeurs concernant la probable arrivée d'Antony en Première Ligue ces derniers mois, on ne peut pas dire que son avenir fasse la une des médias. Et si on se fie aux dernières informations du sérieux Télégraphe, on comprend un peu mieux pourquoi. Effectivement, l'Ajax réclame plus de 60 millions d'euros pour sa star brésilienne, un montant pour le moins conséquent à l'heure où beaucoup de gros clubs européens sont en difficulté sur le plan financier. Voici une piste intéressante, en tout cas pour son compatriote Florentino Pérez. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble bien s'inscrire loin de la capitale espagnole, le profil d'Antony semble bel et bien correspondre à celui du Real Madrid. L'arrivée du Brésilien à Madrid se rapproche de plus en plus. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée d'Antony au Real Madrid est vraiment possible? En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, de vous abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.